You have reached a number that has been disconnected. Salut à vous, gamers et théoristes de l'extrême, amateurs de secrets, de sens cachés et de se faire retourner le cerveau. Soyez la bienvenue dans ce 10e épisode de Lire Entre les Lignes, qui sera un retour sur Hotline Miami, vu qu'on va aborder le second volet de la licence, l'intitulé Wrong Number, mauvais numéro en français. Nous allons voir l'histoire de chaque personnage de ce second volet, ainsi que tous les liens qui sont traçables d'un personnage à l'autre et du coup d'un volet à l'autre. Car je vais revenir bien entendu sur le premier jeu vu que pratiquement tout ce qu'il se passe dans ce second volet sont les conséquences de ce que Jacket a fait dans le premier jeu. Replaçons la situation. L'action se passe, à Miami. Jacket est un des personnages dont on ne connaît pas vraiment le nom et qui a été nommé ainsi par les fans de la licence. Il fait partie d'une organisation appelée 50 Blessings qui envoie ses membres commettre des massacres et leur donne leur mission à travers des coups de téléphone cryptiques. Il se révélera au fur et à mesure que 50 Blessings agira à chaque fois contre la mafia russe et qu'il semblerait que l'organisation soit dirigée par des patriotes américains. Le rôle et le but de Jacket dans tout ça restera flou, même à la fin du jeu. On apprendra aussi au fur et à mesure que 50 Blessings se débarrasse des membres qui peuvent leur poser problème. Jacket aura justement à éliminer un ancien membre sans vraiment le savoir, connu sous le nom de Biker. Puis il se fera justement repérer par la police et deviendra alors un membre gênant aux yeux de l'organisation. Ce sera le personnage appelé par les fans Richter, qui viendra tuer le seul personnage qui semble proche de lui lors de l'aventure, et s'occuper de Jacket en lui mettant une balle dans la tête. Cela dit, Jacket y survivra et parviendra à s'échapper de la police et l'hôpital pour finalement commettre un massacre au commissariat pour retrouver Richter s'étant fait arrêter. D'après ce que nous apprendra Hotline Miami 2, malgré que le joueur ait le choix de tuer Richter ou de l'épargner, Jacket l'épargnera. Et suite au dossier d'enquête de la police, il ira à sa dernière mission. Le fait qu'il ait été trompé sur sa cible au final est discutable aujourd'hui. En tout cas, il tuera finalement les dirigeants de la mafia russe, et avec cette dernière scène, il semble bien que Jacket a accompli quelque chose pour lui, et pour quelqu'un apparemment, vu la photo. Je reviendrai un peu sur Biker en temps voulu, mais là nous allons directement passer à la situation de Jacket dans le 2. Celui-ci semble s'être fait attraper par la police, sûrement volontairement après avoir accompli ce qu'il voulait. De ce que l'on apprendra de l'affaire et des avocats, celui-ci restera très silencieux comme à son habitude. Mais il semble bien que Jacket ne savait vraiment pas grand-chose de l'organisation dans laquelle il était. Soit qu'il ne veut pas révéler ce qu'il sait, car son avocat parlera d'une toute autre chose que de 50 Blessings. Ce qui donne donc l'impression que la méthode de 50 Blessings de donner leurs ordres avec des appels téléphoniques cryptiques donnés à chaque fois d'un autre endroit a terriblement bien marché, menant la justice vers de mauvaises pistes. Plaçons aussi maintenant la situation dans laquelle est le pays. Ces infos, nous les aurons enfin grâce à ce que l'on apprend dans les séquences avec le groupe militaire des Ghost Wolf. L'histoire d'Hotline Miami se dévie de notre réalité car il y a un conflit fictionnel entre les USA et l'URSS. Ce sont les Russes qui sortiront vainqueurs de ce conflit après avoir lancé une bombe atomique sur San Francisco le 3 avril 1986. Est-ce que le conflit s'est vraiment arrêté juste après ça? On ne peut que le supposer. Il n'y a aucune mention d'événements tels que la chute du mur de Berlin ou la dissolution de l'Union soviétique. Ce qui peut nous amener donc à penser que dans le monde d'Hotline Miami, l'Amérique est en train de perdre la guerre froide. L'URSS se permet donc d'exercer une pression sur l'Amérique. C'est pour ça qu'il y a tellement de Russes en Amérique finalement. C'est pour ça qu'il y a des patriotes américains autant anti-russes capables de rejoindre des organisations telles que 50 Blessings. Ceux-ci sont encore perçus comme l'ennemi. C'était la guerre entre les deux pays et personne n'aime voir son ennemi prendre le contrôle de son territoire. La situation étant placée, nous pouvons en venir au personnage. Et nous allons prendre l'ordre du jeu et commencer donc par Martin Brown, plus connu sous le nom du boucher au masque de porc. Martin Brown est un acteur connu qui a eu le premier rôle dans le film Midnight Animal, qui reprend les événements du premier jeu et l'histoire de Jacket. Mais de la façon la plus sale et la plus noire possible, je dirais. On y retrouve l'appartement de Jacket, les coups de téléphone étranges car cela fait partie des connaissances qu'ont les gens des événements, complètement transformé par la presse et faisant passer Jacket comme le chef de ces tueurs masqués. Mais donc l'on retrouve aussi dans le film le fait que Jacket enlève une femme pour la ramener dans son appartement. Nous savons, nous, qui l'avons sauvé des mains de ce producteur de cinéma au goût particulier, dirons-nous. La version du film sera qu'il la viole et la retient prisonnière. Et en regardant les comics fournis avec le jeu, on peut même penser que le but du film est de vraiment faire un film violent et immoral comme jamais, critiquant les autres films gore d'amateurs. J'appuie un peu sur tout ça pour arriver à une interprétation que l'on peut avoir du personnage de Martin Brown. On peut en effet penser que celui-ci est vraiment détraqué de l'intérieur, et qu'il joue dans ce film pour assouvir ses besoins meurtriers. Mais retraçons bien tout le dialogue de son interview et faisons bien attention au nom des films pour lesquels il est connu. Océan bleu, Le calme et Le pays des arbres. Rien ne vous choque? Ces films cités ont l'air d'être tout sauf des films mettant en scène de la violence. Et la présentatrice le dit elle-même, Martin prend une nouvelle direction dans sa carrière. C'est anormal pour un acteur comme lui de se retrouver dans un film violent et ses fans en sont choqués. Voici donc l'autre vision que je propose de Martin Brown. Et si celui-ci n'était pas justement en perte de vitesse dans sa carrière d'acteur, et qu'il essayait de la relancer avec ce film, qui va de toute façon faire parler de lui, puisque parlant d'événements dans l'ère du temps. L'on remarquera que c'est dès qu'il est mis en question quant à son choix de rôle, et bien qu'il semble tout d'un coup prendre un rôle, sortant des propos beaucoup trop osés pour être sérieux. Il a l'air d'essayer de convaincre, et même de se convaincre soi-même. C'est peut-être le manque de réaction face à ce qu'il vient de dire qui lui indique qu'il rêve. Il joue son rôle, mais la réaction attendue n'est pas là, car c'est après avoir dit « Ne me regardez pas comme ça !» qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Et soyons honnêtes, si quelqu'un sortait ça sur un plateau télé, il y aurait clairement des réactions de partout. Là, même la présentatrice a l'air de vouloir juste changer de sujet. Et là, il n'y a pas de réaction. Et c'est ça qui me semble anormal et qui me fait penser que Martin le remarque. Justement, c'est un acteur, il attend des réactions, et il n'y en a pas. Ensuite, rentre en scène le masque de coq, appelé Richard par les fans. Alors qu'en même temps, Martin est revêtu du masque de porc et la présentatrice est décapitée juste à côté. Martin essaye tellement de se convaincre lui-même qu'il essaye de devenir son personnage et joue même son rôle devant Richard. Et que lui dit justement Richard? Que si ce n'est qu'un rêve, il ferait mieux de se réveiller. On peut voir ça dans l'idée que Richard lui dit de quitter son rôle. Et il le prend ensuite à son propre piège. Martin essaye de se faire passer pour le tueur masqué, mais vu qu'il ne reconnaît pas Richard, eh bien Richard s'en amuse et lui parle comme s'il était un tueur masqué. Et maintenant c'est moi qui réponds à vos questions. Alors que nous joueurs comprenons ce qu'il dit, Martin, lui, ne peut rien y comprendre. Ensuite Richard, comme à son habitude, va prévenir, toujours cryptiquement, Martin de sa mort, du danger qui s'approche. Précisant même que ça ne plaira à personne. Que l'on peut voir comme une phrase faisant référence aux fans de Martin. Et enfin, quand Richard lui pose la fameuse question un poil mal traduite « Do you like hurting over people, don't you ?»« Tu aimes faire du mal aux gens, n'est-ce pas ?» Martin répond « Ce n'est que du cinéma. » S'il était vraiment le malade avide de violence qu'il nous a dépeint juste avant, pourquoi répondrait-il ça à Richard? Pourquoi ne répondrait-il pas juste « oui » alors qu'il vient de balancer des choses pas possibles sur un plateau télé? Parce que je pense que Martin fait ce film contre son gré. Il cherche lui-même à se convaincre que c'est un rôle qu'il a choisi, alors qu'il le fait sûrement pour faire redécoller sa carrière. Et quand les choses deviennent plus sérieuses et que Richard le met vraiment face à tout ça, il doute de tout ça, mais ne pense pas pouvoir revenir en arrière au niveau de ses engagements avec le film. Pour appuyer tout ça, j'ai deux choses. Martin est l'un des seuls personnages du jeu à n'avoir aucune capacité spéciale. On peut bien sûr voir ça juste dans l'idée qu'il est le personnage du didacticiel, et qu'il faut apprendre les commandes aux joueurs au fur et à mesure pour ne pas le perdre. Mais d'un côté, quels sont les autres personnages sans compétences particulières? Richter, qui on le verra plus tard, n'aime justement pas la violence, et Evan, qui rend tout le gameplay plus compliqué de base plutôt que d'avoir des avantages, et qui, si l'on le fait passer en mode rage, n'a du coup aucune compétence particulière non plus. Ensuite, regardez bien le comics où l'on voit Martin jouer le boucher au masque de porc. À aucun moment dans ce comics nous voyons ce que pense Martin. Ce n'est que le caractère du boucher qui nous est décrit. Et ces lignes sont du même genre que celles que Martin nous balancera au final sur le plateau télé des rêves. Je pense que de voir Martin comme un simple tabré de plus se tient aussi. Mais si l'on va vraiment au fond des choses, il y a certaines choses justement qui ne collent pas vraiment ou pour le moins étranges. Et je trouvais cette vision du personnage de Martin Brown vraiment intéressante. Par contre, la fin de Martin Brown est assez énigmatique. Globalement, quelqu'un a chargé à balles réelles le pistolet utilisé pour la scène finale. Mais qui aurait fait ça? Parce que ce qui me chiffonne en plus, c'est qu'au début du niveau, eh bien nous pouvons mettre la main sur le script de cette scène. Elle n'était manifestement pas du tout censée finir comme ça. Est-ce que Martin en était seulement au courant? Serait-ce le réalisateur qui a préparé ça dans l'ombre, l'histoire de faire encore plus parler du film? Est-ce vraiment ça que mentionnait Richard? Car j'ai vu qu'il existait une autre vision de cet événement. C'était peut-être même Martin qui avait mis de vraies balles justement pour mettre fin à tout ça et relancer sa renommée. Ce qui est souvent le cas quand un acteur meurt d'un accident. Je pense que nous n'aurons jamais la vraie réponse à ce niveau-là, tout simplement parce que le jeu n'en donne pas. Je ne vais pas tout de suite parler des fans car ce n'est qu'après avoir vu tous les autres personnages que nous pourrons analyser ce qui se passe avec eux. Passons donc à Manny Pardo, personnage avec lequel il faut vraiment tout observer pour comprendre ce qui se passe dans le dernier niveau où on l'incarne. Déjà, mettons les choses au clair, le mutilateur de Miami, sur lequel enquête Pardo, et dont il n'arrête pas de parler, c'est lui-même, il est le tueur. On peut déjà observer ça avec le témoin qu'il a enfermé dans son coffre dans un des niveaux que l'on retrouve être une victime plus tard. La véritable raison de son passage chez Alex Davis, le signe numéro 1, est en vérité de laisser le portefeuille d'une de ses victimes chez elle, pour brouiller les pistes. Comme nous pouvons le comprendre avec sa discussion avec Evan, il est en réalité frustré et jaloux que les tueurs masqués font plus de bruit que lui dans la presse. C'est pour ça qu'il tuera Tony, qui s'était pourtant rendu lui sortant justement « Tu veux juste tes 15 minutes de célébrité ». Pourquoi Pardo massacre-t-il du coup des gens pas recommandables dans chaque niveau? Peut-être que cela sert ses intérêts justement, sinon je suppose que l'idée était surtout de montrer que dans tous les cas, c'est un policier qui ne respecte rien et qu'il tue vraiment les gens de sang-froid, sans arrière-pensée. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier niveau où nous l'incarnons? Eh bien celui-ci est un cauchemar dans son intégralité. Il rencontre d'abord ce que je suppose être une partie de sa psyché, sa représentation du mutilateur de Miami, qui est d'ailleurs ressemblant à un véritable policier de Miami corrompu qui aurait tué 9 personnes fin des années 80, et qui s'appelait justement Manuel Pardo Junior. Confirmant alors que Manny est une référence à cette personne. La suite de son cauchemar devient aussi sa propre fantaisie. C'est pour ça qu'il y a des caméramans et toute cette mise en scène. C'est sa volonté que ces crimes soient couverts par la presse et fassent parler d'eux, que l'on fasse un film dessus, comme ils font un film sur les tueurs masqués. C'est cette volonté de renommée qui l'amène à imaginer tout ça. Il imagine du coup aussi que ce serait Evan qui l'aurait finalement balancé à la police plutôt que lui qui aurait échoué à cacher une preuve, se plaçant alors encore comme le personnage principal d'une histoire en quelque sorte. Mais cette séquence restant un cauchemar au final, sa peur de se faire capturer va prendre le dessus sur la fin, et il ne peut pas tenir la pression de ce qu'il a lui-même démarré. Il passera le restant de ses jours barricadé dans son appartement, sûrement de peur d'avoir été vraiment repéré, alors que finalement, il semble que personne ne sait ce qu'il a fait encore. Aucun policier ne sera vu à sa porte. Quant à la demande qu'il aille au commissariat, je pense que cela fait plus référence au fait qu'il y ait des attentats en cours dans le pays et que la police doit réagir. Passons maintenant à l'homme de main du chef de la mafia russe que l'on n'incarnera qu'un seul niveau, mais justement le seul où il agit pour son intérêt et non pour seulement celui de la mafia russe. L'on ne sait pas grand chose de plus sur ce personnage à part que c'est un homme qui souhaite se retirer et vivre une vie tranquille, et je ne vais finalement que préciser 2-3 choses avec ce personnage. Déjà, joli quand même le coup d'avoir garé les voitures ainsi à la sortie de cette séquence. Qui ne s'est pas dirigé vers la voiture badass avant de finalement se rendre compte que la voiture de notre personnage est la plus misérable affichée à l'écran? Ceci est voulu et est justement là pour nous mettre dans la peau du personnage. Car comme nous avons idéalisé la voiture badass, c'est ce qu'il rêve d'avoir comme on le voit dans son rêve, justement. Ce qui est important ensuite avec ce personnage, ainsi qu'ironique, c'est que malgré le fait qu'il ait la volonté de tout arrêter et de sortir de la mafia, il va finalement malgré lui en provoquer la faim, ainsi que celle des fans, ainsi qu'avoir un rôle dans le titre du jeu. Après être rentré avec son pactole et s'être couché, Richard viendra lui rendre visite dans ses rêves pour lui dire que s'il continue ainsi, il fonce droit dans un mur, ainsi que de lui placer des doutes sur sa femme. Doutes qui se révéleront être fondés au réveil, car celle-ci sera partie avec l'argent. Notre personnage ira donc reprendre son rôle d'homme demain à la mafia russe. On le recroisera alors en train de prendre de la drogue alors qu'il essaye d'appeler avec son téléphone. Il tombera sur la boîte vocale des mauvais numéros et balancera son téléphone. C'est alors que les fans entrent en scène, et parlons donc un peu d'eux. Des fans, déjà, c'est ainsi que les appellent les développeurs, et parce que c'est ceux qu'ils représentent. Ils sont tous inspirés par les actes de Jacket, le voyant comme une sorte de héros rendant la justice par soi-même. Mais chacun des fans semble avoir ses propres notions de ce qu'a fait Jacket et ait raison de se lancer dans ces massacres. Tony semble être la plus grande gueule et bourrin bien entendu, et pas du tout dans un délire de défendre la veuve ou l'orphelin. Il est là pour taper des gens, et il sait bien le faire. Mark, quant à lui, semble être le fan basique, juste content d'être entraîné dans un phénomène et de retrouver des gens ayant les mêmes centres d'intérêt. C'est aussi un peu l'imbécile du groupe, dans le sens qu'il ne semble pas très futé et n'a pas trop d'autres préoccupations que de manger des pizzas et suivre le groupe. Mais c'est celui qui est justement le plus attaché et a le plus l'esprit des groupes. C'est d'ailleurs lui qui ira voir Richard au final, au moment où il pense faire plaisir à tous ses amis en leur amenant un carton rempli d'un seul et même masque, le masque représentatif de Jacket, celui de Richard, le coq. Richard, lui, annoncera les derniers mots de chacun de ses amis. Peut-être dans l'idée qu'il puisse voir les choses venir, mais on parle de Mark, ne l'oublions pas. Je pense qu'il vient voir Mark car c'est le seul qui est vraiment dévoué à ses amis et qu'il est donc celui qui s'en soucie le plus. Corey, quant à elle, car c'est une femme, est la plus discrète mais aussi la plus méthodique, préférant avoir un plan en premier lieu. Elle sera sinon très silencieuse et nous ne savons vraiment pas grand chose sur elle au final. Passons aux signes, qui étaient apparemment des canards à la base. Donc j'avais raison dans mon playthrough du jeu. Mais ouais, bon, bref. Si vous vous demandez, Alex est le signe avec le numéro 1, et c'est elle qui tient la tronçonneuse. Ash est donc le numéro 2, et tient les armes à feu. Ils sont frères et sœurs. Ash semble être aussi celui qui voit le plus leur groupe comme des sortes de justiciers, et agit souvent comme la voix de la raison pour le groupe. Pour finir, il a été dit par l'un des créateurs du jeu que les fans symboliseraient aussi les personnes ne voulant que rien ne change de Hotline Miami 1 à Hotline Miami 2. Il était assez ironique de se rendre compte que les fans, qui sont donc fans de ce que représente Jacket, finissent par affronter aussi la mafia russe, qui est elle-même façonnée par Jacket. C'est donc un phénomène que Jacket a malgré lui entraîné qui affronte une mafia qui l'a grandement influencé de par ses actes. Passons donc à The Son, qui est donc le fils du chef de la mafia russe et dernier boss de Hotline Miami, qui périt donc de la main de Jacket. Cela a pratiquement réduit à néant la mafia russe. Mais justement, le fils du boss reprendra les choses en main. Nous le saurons au final qu'il fait ça car il désire en vérité être reconnu par son père. Cela se voit d'ailleurs dans ses armes, ou plutôt style de combat que l'on peut choisir, bodyguard étant représenté par les lunettes de justement la bodyguard de son père et qui nous donne accès à son sabre. Dirty Hands qui a finalement une sorte de forme de patte de panthère, renvoyant donc aux panthères de son père nous tuant justement d'un coup de patte. Ce qui est le pouvoir que nous donne Dirty Hands. Puis Bloodline, tout simplement la lignée, le lien du sang, nous donne les armes du chef de la mafia. Le fils veut donc que son père soit fier de lui, et finalement de le dépasser. Ce qu'il réussira. Et oui, son père a échoué face à un tueur masqué, son fils en tuera 4. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette route arc-en-ciel au final. Il a réussi là où son père a échoué. Il peut en gros entrer dans le hall des héros, ou quelque chose comme ça. Car cela le mènera à sa perte. C'est bien lui dont nous croisons le cadavre avec Pardo tout en bas de l'immeuble. Et c'est donc bien lui qui tue Ash, Alex, Mark et Corey. On peut supposer, cela dit, que ceux-ci n'ont pas été forcément achevés par The Son. Car au final, malgré son caractère, Tony a apparemment déplacé le corps de ses camarades dans cette pièce. Peut-être dans l'idée d'essayer de les sauver. C'est pour ça que je me demande si peut-être ils n'étaient pas forcément morts sur le coup porté par The Son. De plus, les signes, eux, ne sont pas là et on est sûr que eux, ils sont morts sur le coup. D'ailleurs, l'on affronte bien Tony en tant que The Son dans son trip de drogue, mais Tony ne mourra pas de la main de The Son, mais de Pardo. Je pense que chaque fan s'est quand même fait battre par The Son à leur étage respective, vu qu'il y a aussi cette idée de niveau dans le trip de The Son. Sauf Tony, qui je suppose a réussi à fuir. J'avoue me demander face à la réaction de Tony, je me demande s'il n'y a pas des liens un peu spéciaux entre Tony et Corey que le jeu ne nous montre pas vraiment. Que Tony, tenant Corey morte dans ses mains, veut en finir avec tout ça et toute cette affaire. Il ne veut plus tuer personne, alors que c'est lui qui semblait être le bourrin de service de base. Je me suis juste demandé ça au final, il n'y a rien vraiment pour appuyer ça à part le fait qu'ils discutent entre eux de temps en temps lors du jeu. Mais donc au final, c'est quoi cette histoire de téléphone et de wrong number ? Je pense que le nom du jeu vient de ces événements. Revenons donc au moment où l'homme de main prend de la drogue. Juste avant, il passe un appel téléphonique à, je pense, sa copine, qui a bien sûr sûrement changé de numéro après le coup qu'elle lui a fait. L'homme de main tombera donc sur la boîte vocale des mauvais numéros. Il jettera alors son téléphone qui sera récupéré par Ash quand les fans viendront l'achever. J'ai précisé que l'homme de main avait pris de la drogue. Je reviens sur ça car cela m'a intrigué que la drogue arrive justement au milieu de toute cette histoire. Et que quand l'homme de main prend de la drogue, finalement, ce qu'il décrit voir nous renvoie à certaines choses que nous avons déjà vues, particulièrement dans le premier jeu. Mais donc, finalement, The Son tentera d'appeler son homme de main, n'étant pas au courant de sa mort. C'est donc Ash qui prendra l'appel finalement. Et c'est donc à cause de ce téléphone que les fans, comme tout le groupe de la mafia russe de The Son, seront anéantis. On peut d'ailleurs voir le fait que The Son appelle finalement la mauvaise personne comme une sorte de mauvais numéro aussi. Récapitulons, les fans, influencés par Jacket, et la mafia russe, dirigée par The Son, influencée par Jacket, vont s'entretuer à cause d'un téléphone, qui finalement, de notre point de vue, en jouant les fans, passe totalement comme un appel que Jacket aurait pu recevoir pour aller justement tuer les Russes. Tout nous renvoie à ce moment-là au premier Hotline Miami, donnant limite le deuxième round entre la mafia russe et les tueurs masqués. Le fait que The Son prend aussi de la drogue après avoir passé l'appel nous y renvoie aussi d'ailleurs. Je ne dis pas que Jacket prend forcément de la drogue, même si je me pose la question depuis le 1. Mais ce qu'il faut revenir, c'est que nous passons ce dernier level dans une vision déformée de la réalité. Et nous savons que ce fut le cas avec Jacket aussi. Ce que nous avons vu en le jouant est une réalité déformée. On va revenir sur les raisons de cette vision de Jacket, en passant justement à son passé avec l'homme à la barbe. Ben, que l'on va toujours appeler comme ça, car n'ayant pas de nom donné. Le jeu s'amusant avec nous d'ailleurs à ce niveau-là lorsque le personnage se donne de faux noms pour ses appels codés. Ou peut-être que son nom est Prilan Racket Katan, comme marqué sur ce dessin officiel d'Hotline Miami 2. Mais surprenant comme nom quand même, non ? Jacket et l'homme à la barbe faisaient donc partie d'un commando d'élite de l'armée américaine appelé les Ghost Wolf, les loups fantômes. On sait grâce aux comics que leur commando était carrément craint de leurs ennemis russes et limite légendaire. Autant dire qu'ils étaient bons dans leur boulot. Et leur mode opératoire était justement de parler par appel codé. Si l'on n'apprendra quasiment rien sur Jacket, à part qu'il a toujours été silencieux apparemment, l'on en apprendra plus sur l'homme à la barbe et ses motivations. Il veut justement sortir de la guerre et vivre une vie tranquille. Mais il a un boulot à finir et il le fait. Lors de la dernière mission des Ghost Wolf, alors qu'apparemment les États-Unis sont déjà en train de perdre la guerre dans le monde de Hotline Miami, une explosion touchera Jacket à la tête et ce sera l'homme à la barbe qui le sauvera. Jacket gardera des séquelles et je pense que c'est au moins en partie pour ça que ce que nous voyons dans Hotline Miami est une réalité transformée par le cerveau touché de Jacket. Mais il développera justement à ce moment-là une admiration pour l'homme à la barbe. Au final, l'homme à la barbe mourra d'une attaque à la bombe atomique sur San Francisco des Russes en 1986. Jacket voudra alors venger son ami et sûrement mentor en s'attaquant au final à la mafia russe à travers l'organisation 50 Blessings. Mais en même temps, il semble qu'il n'acceptera qu'à moitié la mort de son ami car il le reverra partout, dans chaque boutique, dans chaque métier qu'aurait bien voulu faire l'homme à la barbe. Se remémorant même la dernière discussion qu'il ait eue avec lui au téléphone. ainsi que la photo. Il y aura même une référence à la bombe atomique de San Francisco dans une discussion d'Hotline Miami 1, une référence que nous ne pouvions comprendre à l'époque. On peut remarquer avec Jacket que lorsqu'il n'est pas dans sa vengeance, le renvoyant sûrement d'une certaine manière à ses missions commando, Jacket semble avoir des remords. Lorsqu'on l'on tue le clochard dans les rues au tout début, n'ayant aucune relation avec la mafia russe, Jacket vomit, et l'on sait alors que ce n'est pas la première fois qu'il tue. Il semble bien que ce soit parce qu'il sait que cette victime n'était pas obligatoire. Mais aussi, avec Biker, Jacket reverra son cadavre s'animer dans son esprit malade, donnant des traces de remords contre le meurtre de Biker. Passons maintenant à 50 Blessings. Il semble, vu comment s'engage Jake et ce que nous raconte Richter, qu'ils ont plusieurs méthodes de recrutement. Il semble que l'un des initiateurs de 50 Blessings soit le colonel des Ghost Wolf, à cause bien sûr de cette séquence. C'est peut-être de là d'où vient l'idée des masques, mais c'est ce signe qu'il faut bien sûr remarquer, le signe de 50 Blessings. Le fait que 50 Blessings soit une organisation pro-patriotique et s'en prenne à la mafia russe installée alors en Amérique suite à la perte de la guerre des États-Unis rejoint l'idée que le colonel est frustré d'avoir perdu la guerre face aux Russes. Il n'est pas dur d'imaginer qu'il soit un des protestataires de l'occupation des Russes aux États-Unis et qu'il ait participé à la mise en place de 50 Blessings, et sûrement à l'incident final. Car l'on sait que le colonel sera gradé général après la dernière opération des Ghost Wolf, et c'est un général qui commanditera l'attentat sur les présidents russes et américains qui provoquera la nucléarisation des États-Unis et de l'URSS. Cela dit, il n'est pas sûr que 50 Blessings n'existait pas avant que le colonel fasse son trip. Il y fait peut-être justement juste référence à ce moment-là, plutôt que de l'initier. Cela dit, le fait que 50 Blessings utilise la méthode des appels téléphoniques cryptés comme les Ghost Wolf renforce l'idée que le colonel général soit en tout cas bien impliqué dans l'organisation. Et l'on peut imaginer que c'est peut-être par le biais du colonel général que Jacket rejoint ou du moins entend parler de 50 Blessings. Mais ça ne me suffit pas. Je ne pense pas que la fin de Biker dans Hotline Miami 1 soit totalement effacée ici. Et donc les deux concierges du premier sont quand même très impliqués dans l'organisation aussi, et peut-être même des fondateurs. Car ce sont bien eux que voit Richter en prison, et ils viennent vérifier si Richter ne se souvient pas d'eux, sous-entendant qu'ils se seraient déjà rencontrés, même si Richter ne s'en souvient pas alors. Ils essaieront d'ailleurs de quand même se débarrasser de lui au final, car il semble qu'ils aient des contacts en prison. Mais justement, vu ce qu'ils disent à Richter, il semble qu'il soit en train de quitter le pays, ayant sûrement assez profité de 50 Blessings et sentant peut-être les événements à venir. Je les vois bien alors se considérer comme les vrais maîtres de 50 Blessings, ayant roulé tout le monde juste dans leur intérêt, y compris le général. Qu'ils aient initié d'une manière ou d'une autre l'idée de l'attentat sur les présidents est impossible à dire, mais les deux éventualités restent plausibles. Ayant initié la chose, il serait bon de quitter le pays, et l'idée qu'il laisse le général à la tête de l'organisation dans son délire d'attentat se tient aussi. Je reste persuadé en tout cas qu'ils ont eu un grand rôle dans 50 Blessings, et dans les événements des Hotline Miami. Concernant Jake, à part montrer que 50 Blessings se débarrasse bien de ses membres gênants, aussi motivé soit-il, et nous montrer le point de vue d'un bon gros patriote, ce qui est amusant à remarquer est que sa première mission sera, comme celle de Jacket, de récupérer une mallette. Il n'y a pas grand chose à remarquer d'autre avec lui. Je voulais juste revenir sur Richter car j'ai été impressionné d'à quel point de nous donner les motivations de celui-ci dans toute cette histoire avait changé ma vision du personnage. Il passe vraiment de salaud à l'un des personnages les plus nobles de la série. Et en parlant de noblesse, parlons un peu de Evan Wright. Wright parce que c'est un écrivain. Wright, écrivain, tu captes? Rigole, bordel! À l'époque de la guerre russo-américaine, il était, cela dit, journaliste, et ce sera lui qui prendra la fameuse photo de Jacket et l'homme à la barbe, marquant alors son entrée dans toute cette histoire. Je parle de noblesse car de base, Evan ne veut tuer personne, ce qui change pas mal le gameplay quand on le joue. Il est possible, cela dit, de forcer les achèvements et de le passer en mode rage, mais on n'est pas là pour parler de ça. Evan cherche à écrire un livre sur les tueurs masqués et surtout ce phénomène. C'est comme ça qu'il continuera à être dans les affaires de Jacket. Il se souvient d'ailleurs peut-être de lui à la base. Il y a deux fins à ce personnage, cela dit. Si vous choisissez le téléphone à la fin de Release, il arrêtera d'écrire son livre et finira entouré de sa famille. Si vous choisissez la machine à écrire, Evan pourra être entendu à la télé de fin du jeu dénonçant qu'il y a une conspiration derrière les tueurs masqués et que les investigations officielles étaient insuffisantes, et donc finalement la vérité. Il sera toujours en train de finir son livre lors de la chute des bombes. Après avoir parlé de tout ça, et avant d'en venir à un certain oiseau, je pense que je peux vous donner mon interprétation d'Hotline Miami 2. Pour moi, finalement, dans Hotline Miami 2, nous avons suivi les retombées des actes de Jacket dans le premier. Les fans sont influencés par ces actes. La mafia russe et The Son sont eux aussi façonnés par ces actes. Evan se lance dans cette histoire à cause de l'affaire de Jacket. Pardo est frustré du succès de Jacket dans la presse. Le film Midnight Animal et donc le rôle de Martin Brown verront le jour à cause des événements de Jacket. Il y a aussi Jake, lui son aventure nous donne plus de contexte et finalement son destin est lié à celui de Jacket. Les niveaux avec l'âme à la barbe nous donneront aussi plus de contexte ainsi que les motivations de Jacket finalement. Et tout ce qui se passe sinon, à part ces niveaux, concerne ce qu'a entraîné les actes de Jacket dans Hotline Miami 1 et les liens qui en découlent. L'une de mes conclusions dans mon interprétation de Hotline Miami était que le jeu avait un discours dénonçant que la violence n'entraîne que plus de violence. Sur ce point, je trouve que Hotline Miami 2 continue complètement cette idée, finissant carrément par des bombes atomiques. Mais si le premier jeu mettait la question sur la table de si la violence devait être justifiée dans le jeu vidéo ou non, ce deuxième volet prend un autre discours, et choisit cette fois aussi de montrer que quel que soit le contexte et les motivations de nos personnages, ils finiront tous par mourir de conséquences de cette guerre entre l'URSS et les États-Unis, et donc de toutes les violences qu'elle a engendrées. Il y a donc un discours sur les liens et l'influence que peuvent avoir les choses. Et je pense à cause du texte de crédit de fin du mode hard, qui sont les paroles de la chanson « For the dear old flag I die », chanson patriotique, je pense donc qu'il y a une sorte de dénonciation du patriotisme ou en tout cas de ses travers. Au final, même si Hotline Miami est un jeu très violent, le discours du jeu semble vraiment dénoncer les horreurs de celle-ci dans notre monde de tous les jours. Faut être pisse les mecs. Ce que j'ai apprécié aussi avec la fin, c'est comme je l'ai dit, pour moi Hotline Miami 2 se concentre sur les retombées des événements de Hotline Miami 1, et ce deuxième volet se finit justement sur un véritable holocauste nucléaire, et avec des explosions nucléaires. Il va aussi avoir des retombées. Je ne sais pas si je vais trop loin, mais j'ai trouvé amusant de voir à travers cette blague finale du menu de Hotline Miami 3 que les développeurs ont toujours dit qu'ils ne feraient pas. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi un clin d'œil à nous les joueurs, en nous disant que Hotline Miami 3, c'est nous qui allons le faire avec l'éditeur de niveau. Les retombées cette fois c'est nous, les fans, c'est nous. Parlons maintenant du poulet le plus mystérieux de tous les temps, Richard. Qui est-il? Que représente-t-il? Certains parlent d'ange de la mort et n'ont pas tort. Mais il n'est pas seulement ça non plus. Encore une fois, omniscient et juge de chacun des événements, mis en image dans cette séquence de New Game Plus, exactement comme s'il regardait un film. Est-ce qu'il a la volonté d'agir sur les événements? Cela est difficile à dire aussi, et dépend limite des cas. J'ai en tout cas remarqué un point commun à toutes ces apparitions dans Hotline Miami 2. Il intervient à chaque fois que les personnages ont des doutes. Quand il se montre devant The Son, celui-ci exprime finalement ses doutes envers le fait qu'il fait les bonnes choses pour rendre honneur à son père. Quand il vient devant l'homme de main, c'est pour lui parler des doutes sur sa femme. Quand il va voir Evan, c'est quand celui-ci a des doutes concernant l'écriture de son livre et l'influence que ça va avoir sur sa famille. Quand il va voir Martin Brown, c'est quand celui-ci doute de son implication dans le film Midnight Animal. Quand il vient voir Richter, c'est quand celui-ci a des doutes quant à être bien à l'abri. Pour Mark, c'est un peu différent, mais il vient le voir parce que celui-ci se soucie de ce qui peut arriver à ses amis. Ça, je vous l'accorde. Mais ça colle limite avec ce qu'il dit et ceux que je n'ai pas cités dans cette séquence de début de New Game Plus. À Pardo, il dit qu'il ne le comprend pas, et ne vient pas le voir au final. Car celui-ci n'a pas de doute sur ses actes et sa personne. Il a peur de se faire choper, mais ce ne sont pas des doutes comme les autres. À l'homme à la barbe, par contre, on apprendra qu'ils se sont déjà rencontrés, mais qu'ils auraient aimé que ce soit dans d'autres circonstances. Vu le discours que j'accorde au jeu, et que l'on reste dans cette idée de doute, l'on peut s'imaginer que peut-être quand il a fait face à Richard, et donc à ses doutes, c'est lors de son engagement dans l'armée, peut-être motivé alors dans une idée tout simplement de protéger son pays. C'est peut-être ça cette histoire de circonstances particulières. Mais il n'y a rien pour prouver ce que j'avance là bien sûr. On peut cela dit encore voir l'idée que l'homme à la barbe ne voit pas Richard dans les missions des Ghost Wolf parce qu'il n'a alors pas de doute dans ce qu'il fait. Il veut finir le boulot et rentrer à la maison, c'est tout. Richard est donc une sorte de psyché de tous les personnages, intervenant à chaque fois que ceux-ci sont proies au doute et les prévenant qu'ils foncent vers leur mort. Ses motivations me restent inconnues, et Richard reste du coup encore pour moi un mystère et la partie surréelle et mystique d'Hotline Miami. Je n'ai justement pas parlé des scènes secrètes car celles-ci sont finalement très mystiques, ou alors retournant le scénario et les événements des jeux dans tous les sens. La discussion avec Biker dans le bar des anges déchus par exemple. Eh bien justement pour moi l'on parle à l'esprit mort de Biker, ou quelque chose du genre. Toutes les personnes présentes dans ce bar ne peuvent y être tout en même temps. Et ces personnes sont toutes mortes ou sont destinées à l'être. Cette scène est juste impossible, et si l'on prend ce que nous raconte Biker, son passage dans le désert pour moi représente le moment où il est mort et qu'il s'est mis à errer dans cet autre monde. La scène cachée de Jake nous confirme bien que 50 Blessings se débarrasse de ses membres gênants, et Jake en est devenu un. Mais cette version n'est pas celle que suit la véritable trame des événements, car le russe que nous sommes allés voir avec Evan citera la capture de Jake. Comme dans le 1 d'ailleurs, Richter a été épargné et c'est Jacket qui a vaincu Biker dans tous les cas. Les autres versions ne sont pas prises dans la véritable trame. Quant au niveau caché avec Evan, celui-ci se passe dans les locaux semblants abandonnés de 50 Blessings. Et finalement nous trouverons ça. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi d'autre en penser à part cette idée qu'il y a une partie mystique, étrange, peut-être même une sorte de monde mystique dans les Hotline Miami. Et c'est peut-être pour ça que Evan ne doit pas y mettre les pieds et qu'il y a cette idée de contrat. Je ne sais pas vraiment au final, mais j'en suis arrivé à cette conclusion. Comme dans le 1, j'avais accepté que le jeu garderait ses mystères. J'ai accepté cette partie mystique d'Hotline Miami 2, et qu'il ne fallait peut-être pas chercher explication à tout non plus. Car c'est clairement aussi l'une des forces de cet univers. Que les jeux soient tellement bizarres, finalement participent à leur ambiance si spéciale. L'histoire prise juste de manière réaliste n'est qu'une histoire de guerre et de revanche finalement. Alors que c'est cette ambiance limite droguée et sous acide que nous apprécions finalement dans Hotline Miami. Et cette narration si spéciale et si bizarre. Et je dirais que c'est finalement de ne pas tout comprendre qui nous fait apprécier ces séquences mystiques à la Richard. Et donc j'accepte le fait de ne pas vraiment savoir ce qu'est Richard. Cela fait justement partie de son charme. À Richard, comme au jeu. Nous voilà à la fin de cette analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît laissez un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai un appel à prendre.